Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle perturbation nous arrive par l'ouest de la France, demain apportant avec elle son lot de précipitations. Alors, comme vous pouvez le constater avec moi sur cette animation satellite, vendredi, nous avons bénéficié de hautes pressions positionnées sur notre pays, qui nous a permis d'avoir un soleil relativement généreux sur certaines régions du nord. Alors que pour samedi, regardez, une perturbation nous arrive et va venir nous traverser pour cette journée de week-end. Alors, concernant les prévisions pour demain matin, eh bien, il s'agira d'un temps très nuageux sur les régions de la moitié nord, donc prémisse de l'arrivée de cette perturbation. Les premières pluies commenceront à tomber sur la Bretagne. En revanche, sur le sud, cela restera encore bien ensoleillé. Concernant les températures au lever du jour, elles seront comprises entre moins 1 et 11 degrés. Il fera moins 1 à Charleville-Mézières, 1 degré pour Strasbourg, 0 degré pour Amiens, 1 degré pour Lille et pour Paris. Attention aux petites gelées possibles le matin. Et le maximum sera de 12 degrés. Pour Quimper, concernant les prévisions pour votre après-midi, eh bien ça y est, les pluies commencent à arriver sur la moitié nord. Les nuages qui étaient présents vont causer pas mal d'ondées pour cet après-midi de samedi. En revanche, pour le sud, le soleil continuera de briller plutôt généreusement, principalement sur la Corse où là, les nuages seront quasiment absents. Concernant les maximales, elles seront comprises entre 5 et 16 degrés. Nous aurons 5 degrés pour Charleville-Mézières ainsi que pour Colmar, 7 degrés pour Besançon, 8 degrés pour Lyon, 14 degrés pour le pourtour méditerranéen. Le maximum sera de 16 degrés pour l'île de Beauté. Alors, concernant votre tendance, eh bien, ces deux prochains jours s'annoncent encore perturbés avec une journée dominicale très pluvieuse et un début de semaine mitigé entre averses au sud et belles éclaircies au nord. Et pour la suite, la situation s'améliore temporairement avec le retour du soleil pour mardi et mercredi. Mais par la suite, les nuages se feront plus nombreux jeudi, mais les précipitations devraient être inexistantes. En revanche, vendredi, c'est le retour des pluies par le nord et du vent également qui devrait souffler fort sur les côtes de la Manche. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. À bientôt!